Bonjour les troncs communs. Dans cette partie-là, on va étudier la dernière partie de votre programme, à savoir le module 3, qui consiste à étudier les trois fonctions génériques acquérir, traiter, communiquer. Donc, en présence d'énergie, et pour agir correctement sur la matière d'œuvre, un système automatisé a besoin de recueillir les informations de la partie opérative pour gérer les actions. La chaîne d'information peut être modélisée par les fonctions génériques suivantes: acquérir, traiter et communiquer, appelées couramment ATC. La fonction acquérir. Présentation. La fonction acquérir est chargée de mettre en forme des informations issues du système. L'opérateur ou l'une ou d'une autre chaîne d'information. Piloter afin d'effectuer le traitement adapté. Ces informations sont obtenues par une famille de constitués appelée capteur. C'est-à-dire que le capteur moit les éléments qui réalisent la fonction acquérir, bien sûr, avec d'autres types de constituants, en ce qui concerne les troncs communs techniques, on n'aura à étudier uniquement que les capteurs. Donc voilà les trois fonctions, acquérir, traiter, communiquer. Un capteur, donc, à partir d'une grandeur physique, à mesurer, le capteur délivre un signal, souvent électrique, utilisable après adaptation pour le traitement. On regarde l'actigramme, donc l'entrée, vous avez une grandeur physique, c'est-à-dire une information, et à la sortie, une information, mais de forme logique ou analogique ou numérique. Nature d'une information délivrée par un capteur. Exemple, information correspondant au déplacement d'une pièce sur une distance de 0 à 7 cm. Donc on va essayer de voir les trois types de signaux délivrés par le capteur pour cet exemple-là. Donc une pièce est située dans une distance de 0 à 7 cm. Voilà par exemple. Donc, logique, analogique, numérique. Bon, pour logique, c'est-à-dire 1 ou 0, présente ou absente. Pièce présente à 7 cm ou pièce absente à 7 cm. Donc, nombre de possibilités 2. Soit qu'elle est présente, soit qu'elle est absente à 7 cm. Donc, la valeur prise par le signal, ça sera le 0 ou le 1. Je rappelle encore, le 0 ou le 1 ne sont pas des chiffres, mais ce sont des états. Ceci, on l'appelle bien sûr signal logique. Analogique. Position entre 0 et 7 cm, c'est-à-dire entre 0,1, 0,2, 0,3, etc. 7 cm, c'est-à-dire que la pièce, on aura une information de la pièce, par exemple, quel que soit l'emplacement d'IELA. Là. Donc, entre 0 et 5 volts, c'est 0 volts, 1 volt, 1,5, 2, 2,6, etc. C'est-à-dire qu'on a une information. C'est synonyme de signal analogique, c'est synonyme au thermomètre, c'est-à-dire thermomètre électronique, par exemple. On aura toujours une information, une valeur, quelle que soit la valeur de la température. Troisième type de signaux, c'est ce qu'on appelle le numérique. Bon, par exemple ici, là, on va prendre la position de la pièce entre 0 cm et 1 cm. On aura une information de ce type-là, par exemple. Entre 2 cm et 3 cm, on aura une autre information. Entre 4 et 5, entre 6 et 7, c'est-à-dire à chaque fois, on aura une information ou laquelle se font, par exemple, de chiffres de combinaison de 0 et de 1,
Donc, une combinaison de 0 ou de 1, ce sont ce qu'on appelle un signal numérique. Bon. Un capteur peut délivrer différents types d'informations. L'information numérique, c'est une valeur numérique codée en une suite de 0 et de 1, comme je viens de l'expliquer. Information logique peut prendre deux valeurs, 0 ou 1. Et on parle aussi de signal tout ou rien, la logique. Et dernier type, information analogique évolue de façon continue et proportionnelle à la grandeur mesurée, comme je viens de donner l'exemple tout à l'heure du thermomètre. Bon. 1.5, principaux types de capteurs électriques tout ou rien, capteurs à contact. Donc là, ce sont les mêmes types de capteurs, où la différence est qu'il y a, voyez, avec la partie qui sera en contact avec la pièce concernée. Bon, par exemple, là, vous avez une sorte de filament, de douille, sorte de contact, le contact qui diffère. Voilà, quel est le contact, ou plutôt le capteur, c'est le même partout. Et voilà, pour ce qui concerne la fonction acquérir. La suite, on aura à voir la fonction traiter. À très bientôt.